Bonsoir à tous et à toutes. Donc je reviens vers vous par rapport au rendez-vous de métamorphose du mois de mai. Donc ce sera le 15 mai à 20h. Nous allons traiter en fait de l'empathie, l'hypersensibilité au quotidien. Comment est-ce que je peux gérer ça le mieux possible pour que ça ne m'impacte pas? Qu'est-ce que je peux apprendre pour mieux canaliser? Pour mieux me protéger, pour comprendre que c'est ça, c'est-à-dire est-ce que je fais fausse route ou est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que je suis empathe? Est-ce que je suis hypersensible? Le haut potentiel est un peu à part, mais c'est quand on est ça en plus, eh bien évidemment, ça n'aide pas forcément. Il faut mettre des mots en fait sur des ressentis. Voilà, c'est pas si simple en vrai. Donc, on passera la soirée à voir un petit peu quelles sont les différences, comment est-ce qu'on peut se repérer ça ou pas, c'est-à-dire se dire, ben non, je ne suis pas, je suis autre chose, je fais, voilà. Les cases ne sont pas les bienvenues, vous le savez, mais en attendant, ça nous aide à mieux comprendre notre fonctionnement et en tout cas à bien identifier comment je peux faire pour le vivre le mieux possible. Voilà. Donc on va se fixer là-dessus. Donc comme d'habitude, en description de la vidéo, vous avez le lien de paiement où vous donnez la somme que vous souhaitez pour participer à cette soirée. Et donc ben, nous vous attendons. Peut-être qu'il y aura Isabelle en plus, peut-être qu'il y aura Nathalie. Vous verrez, il y aura sans doute du monde, ce serait bien, puisque beaucoup de personnes sont concernées, de plus en plus en tout cas. Donc il est clair que c'est important de pouvoir gérer ses capacités, parce que ce sont des capacités qui s'éveillent, qui s'ouvrent, qui sont là souvent depuis toujours, hein, et qui permettent, ben ça permet d'aller mieux, et c'est très émotionnel, hein, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup, on ressent des énergies, etc. Donc c'est vrai que quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ben c'est beaucoup plus facile à vivre. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Je vous donne rendez-vous au 15 mai. À bientôt!